Nous allons encore une fois de plus parler ce jour de la Fédération Camerounaise de Football, le ministère des Sports et bien sûr l'affaire qui oppose justement le ministère des Sports et la Fédération Camerounaise de Football concernant l'encadrement technique et même administratif de nos lions indomptables du Cameroun. Je le disais dans la vidéo d'hier déjà que Samuel Eto'o, tu oublies la loi cadre qui existe ou encore la convention qui existe entre la Fédération Camerounaise de Football et le ministère des Sports. C'est pourquoi je dis qu'il faut encore faire référence à cette convention et justement, notamment à son article 9. C'était, je pense, la loi de 2014. Il y a sa suite également qui arrive en 2015. Je voudrais te dire que cette nomination de M. Brice comme entraîneur de l'équipe nationale de football n'est pas la première faite par le même ministre. Et il y avait également eu autant de bruit à l'époque de Antonio Conte Sao, d'ailleurs, que la signature avait été faite dans une chambre d'hôtel. On a jacassé comme on pouvait jacasser, on a fait le bruit comme on pouvait faire le bruit, et Antonio Conte Sao a été entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. À peine tu es arrivé à la tête de l'équipe, à la tête de la fédération, tu as fait sauter Antonio Conte Sao. Et quelques années après, le ministre Narcisse Moulay-Kombi refait venir le même staff, je dis bien, le même staff que tu as fait débarquer il y a quelques années, à l'exception d'Antonio Conte Sao. Mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Sinon, c'est que Antonio Conte Sao devait être là. Donc, c'est pour dire que, en réalité, nous ne sommes pas là pour la toute première fois. Nous ne faisons pas face pour la toute première fois à un sujet de telle envergure. Donc, coûte que vaille, Samuel, coûte que vaille, peu importe la démarche que tu vas prendre, je te dis que ce monsieur sera entraîneur de l'équipe nationale. On parle quand même des hautes instructions du président de la République. Mais chaque jour, nous avons critiqué, nous avons décrié les hautes instructions du président de la République. Vous n'avez maudit, au contraire, cela vous arrange. Et aujourd'hui, que ça ne vous arrange pas, vous voulez sortir de vos gonds. J'appelle ici Amadou Tak, Jacques Repin-Niamsi. Je vous avais dit que la place que vous occupez autour de Samuel Eto'o, c'était pour le noyer, vous allez le noyer. Jacques Repin-Niamsi, avant même que Samuel Eto'o le contexte la nomination de l'entraîneur, tu avais déjà fait un truc de ce genre sur ton mur. Je veux dire, appeler à une contestation ou quoi, sur ton mur Facebook, sur ton compte Facebook. Cher monsieur, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a des innocents camerounais qu'on a accusé pour insurrection en prison. Actuellement, ce que vous voulez faire, c'est l'insurrection. Ou bien vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas que c'est l'insurrection, les gars. On vous avait dit, gars, que ça allait plus. Samuel, nous, on avait pris, on a vu le mal venir de loin. Je t'avais dit sur ce mur que tu es mal accompagné. Mais vous avez fait la sourde oreille. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous voyons ce que ça donne. Nous voyons tout ce que ça donne. Tu es entouré des Tinda. Même quand tu te trompes, ils sont incapables de te dire que tu t'es trompé. Et c'est normal que tu fonces droit au mur. C'est normal que tu... ce qui arrive, arrive, Samuel Eto'o. Parce que autour de toi, tu n'as pas de bosseur. Tu as que des ting-ting. Tu as des ting-ting. Il y a un autre de tes collaborateurs qui a dit sur un plateau de télé que ce que le ministre a fait n'est pas à dessein. Hein? Il voulait prêter un certain genre de mots au ministre. Allez regarder sur son mur. C'est encore là. Hein? C'est encore là. Samuel Eto'o, je t'invite à faire profil bas. Hein? De te ranger, de t'entourer des meilleures personnes, des personnes qui peuvent t'aider dans ta gestion. Et tu verras que les choses vont aller pour le mieux. Il ne se fait pas encore tard.
Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille que tu jettes les éponges parce que ça, on va te broyer. Non, je dis qu'on ne va pas te broyer. C'est si tu continues à faire la tête que tu seras broyé. C'est si tu continues à faire la tête que tu seras broyé. J'espère que tu as également vu la réponse du ministre des Sports. Tu as vu la réponse du ministre des Sports. Samuel, tu as encore le temps de t'arranger les choses. Quand tu es arrivé à la tête de la fédération, tu avais donné carte blanche. D'ailleurs, c'est toi qui as nommé l'entraîneur, c'est toi qui as changé l'équipementier, c'est toi qui, en tout cas, qui gérait tout. C'est toi qui as tout géré. C'est toi qui as tout géré. Avant que le président de la République ne parle de ta gestion dans son discours. C'est parce que ça allait mal. Piètre prestation à la Coupe du Monde. Piètre prestation à la Coupe d'Afrique. Les femmes, aucun titre. Les filles ne sont pas qualifiées. Beaucoup de problèmes, Samuel. Beaucoup de problèmes. Je voudrais dire tout simplement que la gestion du football camerounais n'est pas uniquement sur l'aspect financier où les joueurs touchent le bon salaire. Pour ça, je peux te dire oui, tu as réussi à ce niveau. Mais on ne peut pas limiter ta gestion uniquement sur ça. On ne peut pas limiter seulement ta gestion sur ça. Alors Sabine, fais encore ton mea culpa. Dégage ce qu'il faut dégager autour de toi et reconstruis ta gestion. Tu es passionné par les métiers de la mode, notamment stylisme, modélisme, haute couture, entre autres, de la beauté, du cinéma, de la décoration, des TIC, de l'hôtellerie, restauration, de l'import-export, consultant Kaizen et bien d'autres. Inscris-toi dès maintenant à Manda Vocational Training Center et suis une formation théorique et pratique de qualité supérieure qui assurera ton avenir avec possibilité de cours en ligne selon ton emploi du temps. Manda Vocational Training Center est situé à Yaoundé, Komo, au lieu-dit Eldorado. Plus d'infos au 675 48 97 17, 698 10 37 57, site web www.mandacrea.com. Manda Crea Vocational Training Center, le savoir-faire à la construction du leadership de demain.